embargo avec l'Iran. Bonsoir Lionel Friedfeld. Bonsoir Charles. Analyste financier et consultant sur Electronic 24 News. Alors d'abord, le problème, le fait qu'il aurait reproché, c'est quoi? C'est d'avoir vraiment fait du commerce avec l'Iran? En fait, elles ont continué leur activité classique d'achat et de vente de matières premières, puisque c'est surtout entre des oil and gas, donc du pétrole et du gaz, notamment avec l'Iran. Et BNP, la véritable nouvelle, a dû provisionner dans son bilan 1 milliard 100 millions de dollars parce qu'ils vont effectivement, ils ont des poursuites judiciaires aux États-Unis de l'ensemble de plusieurs entités américaines. C'est pas seulement le gouvernement, c'est le département d'État, c'est la trésorerie américaine, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers américains et c'est ce qu'on appelle le OFAC, l'Office of Foreign Assets contrôle, qui contrôle dès qu'il y a un embargo, effectivement, si l'embargo est effectif. Et là, les banques françaises ne l'ont pas respecté. Donc il y a la BNP, pour l'instant, d'autres banques qui pourraient être... BNP, ouais. Le Club des Trois, mais c'est la BNP qui est la plus grosse et qui avait les plus grosses activités dans ce domaine. BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Comment se fait-il que ces banques puissent justement violer comme ça l'embargo de manière presque... aussi transparente sans que personne intervienne en France, par exemple? Pourquoi est-ce que ce sont les États-Unis qui tirent la sonnette d'alarme? Parce que les États-Unis ont ce véritablement office, ce bureau qui contrôle s'il y a un embargo ou pas. Il y avait eu le même cas par rapport à Cuba et au Soudan également, où il y avait certaines banques, notamment des banques françaises, qui continuent à faire du business, simplement parce que historiquement, les banques françaises sont des banques de financement. Banques de financement spécialisées notamment dans les matières, matières premières, ce qu'on appelle les commodities, et dans tout ce qu'on appelle le oil and gas, donc le gaz et puis les produits pétroliers. Tandis que les banques américaines sont des banques de conseil, d'investment banking, de fusion-acquisition, d'introduction en bourse. Donc les Français n'avaient pas intérêt à arrêter le business avec les Iraniens parce que ça rapporte énormément à la banque. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, donc, elles doivent payer des sommes astronomiques. Est-ce que le fait que l'Iran aujourd'hui s'ouvre de nouveau à l'économie, ça va permettre justement de relancer la machine encore plus là pour ces banques-là? Alors effectivement, ils vont avoir un peu plus de souplesse parce que même dans la négociation, par exemple, entre BNP Paribas et l'État américain, ils vont faire une transaction privée, ce qu'on appelle, ils vont pas aller en justice. BNP Paribas va sans doute décider de faire un chèque. On pense qu'ils ont provisionné 1 milliard 100, ça va être aux alentours d'un million. Quand Standard & Chartered, en 2012, a eu des mêmes problèmes en Iran, on parlait de centaines de millions de dollars. C'était pas quasiment 1 million de dollars. Donc effectivement, s'il va y avoir une activité accrue entre l'Iran, l'Europe et les États-Unis, on pense qu'en tout cas dans ces domaines, les banques françaises vont en tirer profit. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Élection, grand spectacle en Corée.